Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Dell Gaming. Alors on se retrouve comme tous les matins 6h30 pour le JT du Gaming. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le JT du Gaming, ça se passe du lundi au vendredi. On fait un point sur l'actu Xbox, Nintendo, PlayStation en 10, 15, 20 minutes. Sauf quand je raconte ma life, ça dure un peu plus longtemps. Mais voilà, ça se passe tranquillement. Tu prends ton petit café, tu t'installes tranquillement mais sûrement. Il n'y a pas eu JT hier parce qu'il y a une grosse news qui arrivera en fin de semaine. Ouais, j'ai été invité quelque part et je vous en dirai plus. Donc prochainement. Mais sinon, entre parenthèses, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a eu un concours sur Spider-Man 2 qui a été mis en place sur Twitter, sur Facebook, sur Insta. J'ai plus de 400 messages à répondre, donc je vais vous répondre à tous, vous inquiétez pas. Et il y a un autre concours avec Rainbow Hide, Panique dans la Playroom, là je sais pas quoi. Un jeu girly, je vous ai fait en live dimanche matin. Je vous ai fait un petit live dimanche matin découvert. Je vous mets le i ici pour participer, la vidéo si vous voulez participer. Marquez « Je participe » en commentaire dans le gameplay découverte. Et vous serez tiré au sort ce soir pour le ou la gagnante qui gagnera bien évidemment une clé sur PlayStation du jeu. Voilà. Et il y aura un autre concours fin de semaine. Et là, actuellement, il y a le concours de Spider-Man, le concours de Mario Bros. Wonder et le concours de Anya, le collector que je vous ai parlé récemment dans le JT Manga. Donc, trêve de bavardage, on va passer au sommaire. Alors, le sommaire de ce matin, les amis, on aura trois news. Première news, on va parler du Last of Us Day qui a lieu aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, les amis. C'est le Last of Us 2, mais on a des infos qui sont pas oufissimes, donc on va voir tout ça en détail. Deuxième news, on va parler de Scream, qui pourrait potentiellement arriver en jeu. On aurait une rumeur qui a popé, donc on va voir tout ça ensemble. Et la troisième news, l'arrivée potentielle, qui est sûre, même si c'est pas potentiel, de Persona 3, qui arrivera en version boîte, mais je vais tout vous expliquer, parce que ça va nous coûter bonbon pour les collectionneurs. Donc c'est parti les amis avec la news numéro 1. The Last of Us Day, c'est aujourd'hui, voilà, ça fait, on fait tout le temps la journée de Last of Us, et on a eu des infos qui vont pas vous faire plaisir, vous les fans de la licence, parce que tout simplement Naughty Dog nous a dit clairement dans un tweet que nous n'aurons pas d'infos concernant les prochains jeux concernant la licence. Donc ça voudrait dire que potentiellement il y a le Last of Us Part 3 qui est en préparation ou pas. Le Faction qui est fini ou pas fini, on ne sait pas où il en est. Et bien évidemment, on n'aura pas de news sur la saison 2 de la série de HBO avec The Last of Us. Donc voilà les news. Mais par contre, pour ceux qui sont intéressés et qui ont les moyens financiers, il y a une grosse figurine de chez Prime Studio qui arrive. Elle est vraiment magnifique. Mais écoute, un bras, voire deux, voire les reins, les hanches, les pieds, les yeux, tout ce que tu veux. Parce que le premier prix, je crois, il est à 1 700 $ hors frais de livraison. Et il y a genre l'Ultimate Deluxe, là, plus de 2 000 $. Bon, voilà, quoi, perso, j'aime bien la série, j'aime bien la licence, j'aime bien le jeu, j'aime bien tout. Et pas, bah, là, c'est pas possible, bah, c'est pas possible. À ce prix-là, c'est... Après, franchement, il y a la possibilité de player en plusieurs fois. Donc voilà, ceux qui veulent se mettre un petit crédit, voilà, après je ne conseille pas trop les crédits parce qu'on ne sait jamais ce que l'avenir sera fait. Donc voilà pour les news de Last of Us, après on n'est pas à l'abri d'une surprise en fin de journée, mais attendez-vous plus à voilà, du merchandising avec des vinyles, des statues, des écharpes, des mugs, comme d'hab quoi. Ça fait 3 ans qu'on a R, même si j'aurais bien aimé qu'ils nous annoncent la version PS5 de The Last of Us Part 2. On dit tous oui, hein. On a eu une mise à jour avec le 60 FPS, tout ça, mais bon, voilà, on aimerait une version boîte de The Last of Us Part 2. Elle arrivera, bien sûr, ça c'est PlayStation et sa faire. Donc c'est comme Nintendo. Donc dans tous les cas, on l'aura à un moment donné. Mais voilà, après, il y a une actrice, je ne sais plus c'est quelle actrice, qui dit qu'elle est en mode doublage de voix sur un jeu top secret, et c'est une actrice qui joue dans The Last of Us Part 1 et Part 2. Mais bon, après, ça va prendre avec des rumeurs. Il y a un jeu top secret, il n'y en a pas qu'un. Il n'y a pas que The Last of Us. Elle ne travaille pas forcément que pour Naughty Dog. Donc voilà. Attendez-vous à rien, à part des figurines pour la journée de The Last of Us aujourd'hui. Donc voilà pour la news numéro 1. On va passer à la news numéro 2. Scream. On adore tous Scream. On en a au 6 ou au 7, je ne sais pas. Il y en a un 8e qui arrive aussi. Donc dans tous les cas, je crois, ouais, c'est ça. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Il y en a tellement des The Scream, le film Scream.
Et un jeu sur la licence serait potentiellement en élaboration, alors en développement, comme vous voulez. Pourquoi pas? On dira oui, avec plaisir. Maintenant, le studio, la personne qui a parlé de cette fameuse rumeur du jeu Scream, avait dit, pour le moment, il n'avait pas entendu le studio qui développerait le jeu. Et là, il a refait un tweet en nous disant que ça serait Supermassive Games. Supermassive Games, pour ceux qui ne connaissent pas, ils sont habitués à nous faire des jeux d'horreur. Donc oui, on dit oui. Hein. Maintenant, est-ce qu'ils vont nous faire un jeu à la dite Bad Light, là, je sais pas quoi, là, j'ai pas du tout kiffé, j'ai pas du tout accroché. Avec la licence Scream, il y a de quoi faire, en mode même VR, il y a beaucoup de potentiel à faire avec cette licence. Donc on dit tous oui, les fans de la licence des premiers films, hein, des 1, 2, 3. Après, le dernier, apparemment, il était oufissime, je ne l'ai pas vu. En plus, c'est avec Mercredi. Donc, Mercredi de la série Mercredi, hein, dans Netflix. Je ne sais plus comment elle s'appelle, la petite, là. Mais la suite est prévue. Donc, moi, je dis oui. Alors, le film, oui. Mais le jeu, on verra quand on aura des infos. Donc, vous me direz en commentaire si vous attendez ou pas un jeu sur la licence Scream. Mais voilà, quoi. Moi, je dis oui. Après, c'est un leak. Il faut prendre des pincettes. Toujours être... On va prendre du recul parce qu'on ne sait jamais. Donc voilà pour la news numéro 2. On va passer à la news numéro 3. Persona 3. Alors les amis, on aura la chance d'avoir la version boîte. Oui. Alors, que vous dire? À part que cette version boîte, malheureusement, pour l'instant, après on n'est pas à l'abri d'un potentiel qu'elle arrive potentiellement en France directement ou pas. Pour l'instant, ça a été annoncé par LRG, Limited Run Games. D'ailleurs, vous voyez un collecteur de là. Moi, perso, depuis le confinement, j'ai arrêté d'acheter chez eux. Parce que, grosso modo, je vais vous expliquer comment ça se passe, Limited Run Games. C'est un site qui vend des jeux qui sont pas forcément édités en version boîte chez nous. Donc, que du démat en règle générale. C'était ça, la base de Limited Run Games. On préco. Il y a une date, une horaire. Si on rate la première horaire... Et maintenant, en plus, ils ont changé. Il y avait une deuxième horaire à l'époque. Il y avait 16h le vendredi et minuit dans la nuit de vendredi à samedi. On ratait la préco, on n'avait pas le jeu. Ok. Jusqu'à là, tout va bien. Il y a eu le confinement qui est arrivé. Confinement qui a retardé. Après, je peux comprendre, bien évidemment, des livraisons, des dates. Il y avait des jeux que j'ai reçus, que j'avais même oublié que j'avais préco. Le gros problème de Limited Run Games, c'est qu'on préco, mais grosso modo, on ne sait pas quand on va le recevoir. Ça, il faut être honnête. Voilà. Même quand on avait un délai, il n'était jamais respecté. Et depuis le confinement, voilà, le dernier collecteur que j'ai reçu, je crois que c'était Street of Rage 4, je ne sais même plus. En gros, je l'ai reçu donc peut-être 6 mois après le confinement ou 8 mois après le confinement. Non, c'était pas Limited, c'était pas Street of Rage 4, c'était un autre jeu. Je sais même plus comment il s'appelle. Grosso modo, le facteur est venu, j'avais la douane à payer. Après, j'ai fait la demande de remboursement. LRG m'a remboursé parce qu'on paye des frais de port, mais normalement, la douane est comprise dedans. Mais bon, le facteur n'était pas au courant, il m'a demandé quand même 50 balles. Donc, en gros, le collecteur m'a revenu à 300€, quoi. Avec la préco chez Mighty Dragon Games. Et après, ils m'ont remboursé les 50€ que j'ai remboursé et j'ai payé au facteur. Mais dans tous les cas, ça se passe comme ça. Il faut préco. Sur le site, donc vous êtes débité tout de suite. Après, vous pouvez payer en carte bleue, en PayPal, comme vous voulez. C'est débité immédiatement. Ensuite, faut attendre, faut être vraiment patient. Et après, on reçoit à la maison, ça sans problème. Il n'y a pas de frais en plus, quoi ou qu'est-ce, c'est ce que vous payez, il n'y a pas, c'est tout est compris. Maintenant, Persona 3 arrivera donc en version boîte grâce à eux sur PlayStation 4, sur Xbox et sur Nintendo Switch. Il y a 3 versions, donc il y en a une à 34€, c'est uniquement le jeu, je vais vous mettre là les visus. Il y a une autre version à 65$, 64,99€, bon, plus les frais de port à chaque fois, avec un steelbook et le grimoire. Et la version ultime, genre à 200$, donc grosso modo ça va nous coûter 250€ avec les frais de port, etc. Qui est dingue, franchement elle est très belle dans une mallette avec la réplique du gun, le steelbook, le grimoire, le jeu, les musiques, il y a tout. Franchement, il y a tout, il y a des cartes, il y a tout. Franchement, c'est belle édition, mais 200€. Donc voilà, si vous voulez la version boîte, ça sera uniquement chez Mighty Dragon Games.
Après, c'est potentiellement possible que ça arrive à un moment donné chez Just For Games par la suite. On l'a vu sur plein de jeux. Donc voilà. Si vous voulez, les préco ils commencent vendredi là, le 29. Voilà, pour ceux qui ont envie. Après, même le Persona 4, là, le Golden, je crois. Je sais pas, ouais, c'est Persona 4 Golden. Arrivera aussi chez Limited Run Games. Donc voilà, les amis, pour les infos du jour. On a eu plein d'autres infos que je traiterai demain. Parce que voilà, il faut avoir plein de temps. Il faut bien que je regarde tout ce qu'il y a eu. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses en moins de. Un peu plus de 24 heures que j'étais absent. Il y a eu le hacking de Sony avec qui veulent être revendus avec les mots de passe, les trucs, tatati tatata. Il y a eu Red Dead Redemption 2 qui a été répertorié en mode Nintendo Switch. Alors ça va prendre avec du recul aussi parce que c'est une info qui date d'il y a longtemps. Les gens ont commencé à faire plein de vidéos, tout ça. Après voilà, on sait comment c'est répertorié par rapport à ça, c'est pas voilà. Il y a eu des infos sur Star Wars Eclipse, il y a eu des infos sur le Star Wars 3, la suite de Jedi Fallen Order. Tout ça on en reparlera dans le JT de demain et il y a même eu des infos sur la DLC de Elden Ring qui arrivera prochainement. Donc tout ça on en reparlera tranquillement demain dans le JT de demain, voilà, tout simplement. Voilà, pour le temps que je regarde bien tout et que je vous donne les bonnes infos. Sur ce, bah, je vous souhaite une bonne journée. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, bah, je t'invite à activer la cloche, partager, liker, commenter, tout ça comme d'habitude. Et si tu veux participer sur les concours qui sont en ligne, tu as les liens dans la description. Sur ce, passe une bonne journée et on se dit à demain. Bisous.